Bonjour à tous, c'est Livia, on se retrouve sur Maple Story 2 pour un autre donjon. Donc celui-ci, ça sera Backnoff Number 1. Alors celui-là, je vous le dis de suite, ça risque d'être déçu, vous risquez d'être déçu par rapport à ma prestation. Parce que je suis pas très doué. C'est bien. Celui-là. Oui, c'est bien celui-là, donc on va se marrer. Hein. Bah, donjon pas très technique, hein. Juste faire gaffe, il y a un laser qui vient du ciel à des moments donnés, donc faut pas rester dedans. Parce que moi, perso, je le vois à peine des fois. Et après, bon, voilà, bah, faut être capable de faire des choses assez particulières, quoi. À un moment donné, il faut marcher sur des chaînes et vous allez voir, c'est clairement pas là où j'excelle. Voilà, c'est vraiment pas. Il est pas difficile en soi. Hein. Juste faire gaffe que des fois il y a le laser. Voilà, on l'a pas encore eu, donc ça va. On défonce tout. Ça dégage. Allez hop. Paf, paf, paf. Ouais, c'est un petit jeu là. Maple Story, c'est un truc que j'aime bien, quoi. Petit mini-boss. Un mini-boss, hein, parce que franchement. Vous voyez comment il meurt là? Excusez-moi si vous me voyez bouger, c'est qu'en fait, j'ai du mal à rester assis. Je bouge beaucoup sur ma chaise, donc. Vous défonce, moi. Allez hop. Je suis heal, tank, DPS, je suis tout à la fois. Moi, je fais tout là, je vous le dis. Pendant que je suis là, je carry la game. Oh, je déconne. Je rigole là, je peux faire le kéké, mais. Après, je vais moins rigoler quand il faudra passer de chaîne en chaîne. Ouvrir les petits. Utiliser les petits leviers pour ouvrir les portes, voilà, bon, pas très compliqué, hein. Tac, on défonce tout. Il est un peu plus long celui-là comme donjon.
Mais elle est sympa, c'est franchement. Ah. Il est assez sympa. Là, faut passer là. Hop, on grimpe à l'échelle. Excusez-moi. Voilà, bah là. Le poteau, il a envie d'aller vite, là. Il nous rush le truc. On va l'aider, hein, hop. Ah, c'est un mini boss, ça encore. Est un peu plus long, comme vous pouvez le voir. Hein, celui-là, il va être un peu plus long. Mais il est sympa, franchement, c'est fun. C'est fun. Bon, j'ai pas envie de discuter avec vous. On se casse. Oula! Ah, vous entendez pas, j'ai pas mis le son du jeu parce que j'ai les collègues qui sont sur le TS et. Et je voulais pas que vous les entendiez, quoi. Pas difficile comme boss celui-là. Il envoie des petites cartes là. Ça fait pas spécialement très mal. Mais là, cette fois-ci, on a eu de la chance, on n'a pas eu de laser. Ça doit être sûrement aléatoire. Celui-là, on l'a pas eu. Ah bah voilà. Ah bah. Ah bah voilà. Je suis resté dans la zone de poison, paf, hein, ça fait des chocs à pic. Pas très dur, mais il faut faire attention quand même, hein. Oula. Ah non, c'est le number one. Je suis bête. Non, celui-là, il est facile. C'est l'autre, parce qu'il y a un autre, deux trucs avec un train. Là, on arrête le train, voilà. On a gagné, GG à nous, on a sauvé le monde. Oh, j'ai oublié de zapper. Succès, voilà, pas très dur. Un peu plus long. Et encore rien de spécial, vraiment important en loot. Ouais. Bah rien de spécial, vous voyez, hein. Écoutez, c'était Black Nov Number One. C'est un donjon pas très dur. C'est le number two où, quand je vous le ferai, vous allez rigoler. Mais celui-là, il est facile en fait. J'ai confondu. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Un commentaire, ce que vous voulez partager. Voilà. Faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Et si vous voulez savoir des trucs spécifiques sur Maple Story, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, hein, parce que j'y passe pas mal de temps. Donc voilà. Si je peux vous aider, rendre service, ça me ferait plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouveau donjon.